Bonjour, Françoise Hardy, je me présente, Louise Forestier. J'anime une émission sur la chanson francophone à Musimax, Les Immortels. Et on croit fermement que vous faites partie des immortels de la chanson française. Je sais que vous êtes une femme très discrète. Je vais dire des choses sur vous. Si vous ne voulez pas écouter, vous avez le droit. Mais moi, je conseille à tout le monde de rester avec nous parce que c'est un documentaire exceptionnel sur une femme exceptionnelle. Une chanteuse qui a commencé en 1962 et qui m'a inspirée depuis ma tendre jeunesse. Et par sa beauté, par son élégance et sa grâce. Plus tard, par la finesse de ses textes. Et aussi par cette espèce de couple mystère qu'elle formait avec Jacques Dutronc, que j'aimais aussi beaucoup. Un couple moderne, un couple d'avant-garde, un couple qui a su évoluer avec les années. Françoise Hardy s'est tue en 1988 et ça nous faisait beaucoup de peine. Et tout à coup, en 1996, elle est revenue avec un disque magnifique qui s'appelle « Danger » où elle conjure tous ses démons. Et elle revient plus belle, plus forte que jamais. Alors, je vous souhaite une super